Bonjour, qu'est-ce que la profondeur? Aujourd'hui, je veux vous parler de la profondeur. La profondeur dans la relation à soi. Voilà quelques éléments qui peuvent nous parler de la profondeur. Me regarder à l'intérieur, fermer les yeux, entrer en soi, méditer, écouter les intuitions, écouter les informations. Alors pour rencontrer une nouvelle qualité de profondeur, nous allons nous intéresser au corps et au mouvement. Fermer les yeux pour ressentir le corps différemment. Se donner de l'attention pour qu'émerge une qualité de présence. Alors qu'est-ce que la présence? La présence, c'est cette qualité d'être qui émerge du fond de notre matière, de notre être incarné dans la matière. Avec la pratique de la lenteur, avec l'écoute de la danse intérieure, il est possible d'accéder à une nouvelle profondeur. Celle d'où l'on peut observer ses ressentis sans se laisser embarquer par eux, en restant présent, en restant présent à soi. Là où la danse intérieure, la danse de la vie, peut accompagner chacune de nos émotions, chacun de nos sentiments, à être reconnu sans que nous nous identifions à eux. Éveiller le corps intérieur et pratiquer la connexion à sa danse intérieure peut nourrir la profondeur d'une qualité nouvelle, sensible et pleinement présente. Une qualité plus vivante et plus incarnée. Et pour vous, qu'est-ce que la profondeur? Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger sur cette question sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à... Voilà, et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur le site clairelaronde.fr ou le lien dans la bio ou sous cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.